Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Amen. Qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Amen. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, Amen. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. L'Éternel fait justice, Amen. Il fait droit à tous les opprimés. Amen. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse,
Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, Amen. Dans tous les lieux de sa domination. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. 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 Je connais ce Dieu puissant qui relève tous les défis. Tu nous soutiens, tu nous tiens par ta main, Seigneur, et tu nous montres le chemin, Sauveur. Merci encore à notre bien-aimé Père, parce qu'à nous, tu as réellement démontré que tu étais vivant et que tu vis encore aujourd'hui, Seigneur. Non seulement tu vis, mais tu vois encore, mon bien-aimé Père. Non seulement tu vois, mais tu parles aussi, Seigneur. Non seulement tu parles, mais tu entends aussi, mon Sauveur. Louange et honneur à toi encore aujourd'hui, mon Seigneur, bien-aimé Père. D'avoir rassemblé encore ce matin, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle que tu nous as donné. Nous te remercions réellement pour le cœur que tu as rempli d'amour et de joie. Allégresse envers ta maison encore aujourd'hui, Seigneur. Oh, certainement, c'est vrai, tous ceux qui t'ont connu, mon bien-aimé pratiquant, cet amour est dans leur cœur pour être loué et t'exalter, pour les offrir que tu as fait, pour le bienfait dans leur vie, Seigneur. Nous sommes aussi de cela, mon bien-aimé pratiquant, bénéficiant de ta grâce, mon bien-aimé pratiquant, ta miséricorde de ton secours et ton soutien. Seigneur, tu l'as fait. Tu les fais encore pour nous, Père. Au nom de pas glorifier ton Seigneur, mon bien-aimé Père Tissant. Nos cœurs se lancent vers toi aussi, mon bien-aimé Père. Et d'abord, merci. Merci pour la victoire. Merci pour les souvenirs. Merci aussi pour la guérison. Merci pour la santé. Merci pour la délivrance. Oh, merci encore pour la vie éternelle, notre Seigneur. Merci pour avoir nos péchés, mon bien-aimé. Oh, tu as vaincu, mon bien-aimé Père Tissant. Pour que nous puissions avoir cette grâce de marcher avec toi, Père. Merci pour nos enfants ce soir, pour tout matin, de notre Dieu, nos frères et sœurs. Et chacun de nous encore assemblés en ces lieux et ces aussi qui sont en connexion à différents endroits, Père. Louange à toi pour les cantiques qui sont montées devant ton trône de grâce, mon Père. Merci encore pour le psaume. C'est vrai, notre âme s'est réjouie en toi, mon bien-aimé Père Sœur, et a trouvé réellement la joie, le repos en toi, mon bien-aimé Père. C'est pourquoi nous te louons de tout notre cœur. Merci pour cette grâce d'être là, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le nom du Seigneur sauvé. Amen. Le bienfait de notre Seigneur souligne par nous. Amen. Pouvons, même si nous essayons de pouvoir compter, nous remarquerons que le Seigneur, notre Dieu, a fait et qu'il continue à faire beaucoup de choses dans notre vie. Nous le remercions de cette grâce qu'il nous a accordée, de ce que nous puissions avoir les yeux ouverts, afin de pouvoir avec nous aussi trouver grâce et contempler aussi sa face. Que son Seigneur soit béni. Parce qu'au jour le jour, effectivement, nous réalisons l'importance de sa grâce. Amen. Et parce qu'il nous pousse encore davantage à aller de l'avant pour que nous puissions réellement, si frère, tu voudrais bien, pour que nous puissions réellement être conscients du but à atteindre pour lequel lui-même il nous a appelés. Nous le remercions de ce qu'il nous avait fait la promesse que de ne pas nous laisser orphelins, mais de nous envoyer le consolateur. Amen. L'esprit de vérité qui nous conduit effectivement dans la vérité. Et c'est ce que nous voulons parce que
Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nous voulons qu'il puisse être réellement le moteur, le principal dans tout ce que nous sommes. Amen. Aussi longtemps qu'il est avec nous, Amen. Aussi longtemps qu'il nous instruira, alors nous sommes sûrs et certains que nous sommes agréables à Dieu. Amen. Et que nous atteindrons certainement le bon port. Amen. C'est comme cela que le Saint-Esprit rassure aussi nos cœurs. Amen. Afin que nous puissions arriver à pouvoir avoir la paix et servir le Seigneur avec un cœur bien disposé, la conscience purifiée effectivement des mauvaises choses, mais que nous soyons réellement sûrs et certains de ce Dieu que nous servons et qui nous a aussi accordé davantage la grâce d'être avec lui. Nous sommes dans ce mois de décembre qui est le mois qui tire donc à la fin de chaque année. Nous le remercions vraiment de ce qu'il nous accorde, cette grâce de pouvoir nous trouver ensemble pendant cette période de réunion que nous avons eu à pouvoir avoir aussi, à vouloir nous tenir effectivement dans sa présence. Ce que nous devons comprendre, c'est que et tout ce temps que nous avons commencé les réunions et que nous venons dans la maison du Seigneur, c'est parce que nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, trouve son chemin avec nous. Et nous voulons aussi que tout ce qu'il a fait pour nous et tout au long de l'année, nous puissions avoir aussi ce temps de pouvoir lui montrer autant de reconnaissance et d'amour à son endroit. Dit, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours marché avec nous. Ton amour à notre endroit n'a pas eu de limite. Tu as fait et tu fais. Nous voulons te donner du temps. Nous voulons te montrer aussi combien nous avons de l'amour à ton endroit. Oh, comme David pouvait le dire, il dit, mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Seigneur, tout au long de l'année, voilà ce que tu fais pour nous. Et à la fin de l'année, nous voulons vraiment encore être là pour que toi, tu nous remplisses encore davantage. Afin que dans le pas que nous allons faire dans la nouvelle année, nous partions encore plus de toi. Parce que nous voulons vraiment marcher avec Dieu. Il n'y a pas de bonheur sur cette terre sans Dieu, monsieur. Pour faire ma soeur, c'est quelque chose à laquelle nous devons être conscients. C'est pourquoi nous avons, tout au long de l'année, nous avons eu du temps à faire beaucoup de choses, beaucoup de pouvoirs. Mais seulement, nous a été demandé d'avoir au moins des fils, que c'est quelques jours de réunion. Ça devait être pour chacun de nous. On dit, Seigneur, merci quand même pour cette occasion. Je ferai tout mon effort, sans murmure, mais avec plaisir. Parce que, oh Dieu, tout au long de l'année, tu m'as accordé encore la grâce. Je suis vivant aujourd'hui. Comment ne pas glorifier ce Dieu? Comment ne pas vouloir me tenir dans ta maison? Parce que où est-ce que tu voudrais que j'aille? À quel endroit tu voudrais que je puisse me tenir? Quand je peux compter les bienfaits? Tu m'as nourri, tu m'as vêtu, tu m'as donné des enfants. Le Seigneur fait de merveilles. Nous devions être vrais à l'endroit de ces dieux, être vraiment sincères, reconnaissants. Parce que quand la maladie a frappé à la porte, il est descendu. Il s'est souvenu de sa promesse à ton endroit, mais il t'a guéri. Il ne t'a pas laissé sans guérison. Quand la famine est arrivée, tu as été épargné parce qu'il t'a nourri avec son pain. Donc nous réalisons que le Seigneur prend soin de nous. Il y avait des chômeurs, mais il n'y a plus de chômeurs parce que nous avons prié. Dieu donne du travail. D'une manière ou d'une autre, Dieu continue à pouvoir travailler. Et nous remercions Dieu de ce que réellement il fait son travail dans chacun de nous. C'est pourquoi ces moments, ça va être des moments où nous prenons plaisir à pouvoir y être et pouvoir donner vraiment du temps au Seigneur. Parce que nous étions pressés depuis le 1er janvier, on doit vite ainsi. Mais maintenant, on dit, Seigneur, pendant ce temps, accorde-moi vraiment la grâce de trouver le temps pour te donner. Parce que si je ne donne pas le temps, quand est-ce que je vais te donner? Parce que le 1er janvier, la vitesse va commencer. Donc, je voudrais au moins, Seigneur, parce que, voyez-vous, comme la fin de l'année, on donne beaucoup plus de congés aux gens. Hein? Hein? Le 25, je crois que c'est le 25 aujourd'hui. Et voilà, les gens sont arrangés, et puis peut-être qu'il y aura encore un pont demain, et puis ainsi. Donc, c'est-à-dire que ce sont des périodes où chacun doit être un peu dans le calme. Je vais vraiment donner du temps au Seigneur. Laissons le stress, laissons les choses sont pressées, pressées. Il dit, pendant au moins ces quelques jours, Seigneur, aide-moi que je puisse au moins entrer au-dedans de moi, vraiment penser à toi, voir ce que tu attends que je puisse faire pour toi aussi. Qu'il puisse nous accorder la grâce et nous aider parce que nous, les temps tirent vraiment aussi à
sa fin. Et nous sommes en prière pour nous préparer pour le grand rendez-vous. Lévons-nous, nous allons prendre la Bible des Hébreux, chapitre 6. Que Dieu, notre Seigneur, bénisse chacun de vous tous ce matin. Qu'êtes venu de loin comme de près. C'est aussi une grande consolation de pouvoir nous rassembler avec nos frères et sœurs, et ceux aussi qui sont aussi en connexion dans différents pays. Le Seigneur attire encore aujourd'hui et touche le cœur encore à différents endroits. Nous lirons dans le livre des Hébreux au chapitre 6. Hébreux au chapitre 6. Donc, on va peut-être lire à partir de là, jusqu'à peut-être verset 4. Lirons Hébreux 6 à partir du verset 4. Hébreux 6, chapitre 6, verset 4, il dit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui nous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu ne prend injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour ce monde, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Messieurs Sobran, ce matin, je dois te dire encore merci. Merci vraiment pour ton amour et ta bonté que tu as offert. Combien nous pouvons nous tenir en tremblant avec beau respect et consécration, mon Sobran, sachant Dieu est vraiment un Dieu terrible aussi. Dieu merveilleux, c'est vrai, nous sommes dans le temps, mais Dieu aussi capable de pouvoir faire des choses que l'homme ne peut même pas penser. Nous implorons ta grâce encore ce matin de pouvoir nous aider afin que tu sois considéré à la hauteur de ton nom, que tu sois aimé à la hauteur de ta parole, mon béni, mon Père puissant, parce que tu es juste, mon Sauveur. Bénis-nous encore et pardonne-nous encore. Mon Dieu, ce que là nous avons failli, mais nous te remercions pour le pardon de nos péchés, Père. Merci pour ta parole et pitié, Père, parce qu'il n'y a pas d'homme qui peut se tenir devant toi sans que toi tu l'attires, Père. C'est ta grâce qui nous amène à toi. Pourquoi nous voulons pas prendre cette grâce en vain? Nous voulons vraiment considérer la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, mon Sauveur, pour que nous puissions nous tenir dans cette humilité comme tu le veux, afin de pouvoir marcher avec toi. Bénis ton peuple encore ce matin. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion des différents pays, qui sont aussi bénis par le d'avoir ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, vous pouvez. Nous réalisons combien notre Dieu, dans ce moment, dans ce temps, attire notre attention sur ce fait que ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il continue de pouvoir faire, et ce que nous aussi, nous devons arriver à considérer, ce que lui, il fait, en rapport aussi à ce que lui aussi attend davantage avec nous. Donc, il est toujours à pouvoir le dire. Quand nous lisons effectivement dans le livre d'Éphèse, on peut voir effectivement avec le messager qui a été envoyé à l'âge d'Éphèse, vous le savez très bien, c'est bien l'apôtre Paul. Donc, le messager, cet homme que Dieu a eu à pouvoir utiliser d'une manière particulière. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir la main de Dieu quand il saisit un homme et qu'il y a un but,
que Dieu veut atteindre effectivement avec cet homme. Parce qu'il avait dit de lui que c'est son instrument. Voilà qu'il avait effectivement une façon d'être. Mais quand Dieu l'a saisi, l'homme était complètement changé. Et le Seigneur l'a amené tellement dans les hauteurs qu'il lui a donné une révélation et lui montrant effectivement ce que Dieu avait voulu qu'il puisse arriver à pouvoir voir. Et là, le Seigneur a conduit son serviteur à mettre par écrit effectivement les choses que Dieu lui a ordonné de pouvoir aussi écrire et aussi ce qu'il lui a montré aussi et conduit aussi. C'est ainsi que vous remarquerez, frères et sœurs, même quand on regarde en fait les âges et puis on continue avec les âges suivants jusqu'à l'âge de l'Odyssée, vous allez remarquer que chaque messager qui a pu être d'une certaine manière ou d'une autre a pris effectivement pour que soit montré que c'est le messager de cet âge, là par exemple l'âge qui attire, ou disbire, ou l'arbre, ici et cela. Donc chaque messager, chaque qu'on a eu pu voir, mais celui-ci est messager de celui-là, celui-ci, sur quels critères aussi qu'on a pu arriver à pouvoir réellement se baser pour pouvoir voir que c'est vraiment cet homme-là qui a dû être utilisé, qui est vraiment le messager de cet âge ici, Smyrne, ou Thyatire, ou Pergame, ou Philadelphie, ainsi de suite. En fait, la référence, en réalité, c'est toujours l'apôtre Paul. Son ministère a tellement été un ministère assez puissant, que ce soit même le messager de l'âge de l'Odyssée, la référence est toujours l'apôtre Paul. Parce que la manière dont Dieu a utilisé cet homme, qui est comme un modèle pour ceux qui, par la suite, effectivement, pour... c'est pour ça qu'on peut regarder que dans chaque âge, effectivement, il y a eu donc des événements, mais il y avait un calibre, effectivement, que tel serviteur devait arriver à pouvoir avoir, pour arriver à pouvoir réellement se tenir, effectivement, dans le chose, puisque c'est là, quand nous voyons le chandelier, la lumière qui a commencé ici, c'est la même lumière qui passe dans le deuxième gousselet. Amen. Deuxième, pas une nouvelle lumière, n'est-ce pas? Amen. Celle qui était au commencement, elle vient, elle passe là, jusqu'à la fin. Donc nous avons la lumière. C'est pour ça qu'on dit dans Zacharie, au temps du soir, Amen, la lumière paraîtra. Amen. Pas une nouvelle lumière, mais l'ancienne lumière, Amen, parce que Dieu est lumière. Amen, amen. Donc le même Dieu, que Dieu te bénisse, le même Dieu qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui est l'alpha et aussi l'oméga. Donc nous devons réellement comprendre cela, que c'est pour ça que des hommes qui devaient arriver à pouvoir porter cette lumière devaient être identifiés eux-mêmes aussi à la lumière. Ce n'était pas n'importe qui pouvait se lever et dire « Moi, je suis non ». En fait, s'il est appelé à toucher aux choses saintes, il doit aussi être identifié aussi à ces choses-là. Là, maintenant, ainsi donc, la parole peut arriver à pouvoir être. Alors, c'est cet homme que le Seigneur a eu à pouvoir réellement utiliser pour que... Et c'est pour ça, d'ailleurs, lui-même, l'apôtre Paul nous dit une chose, c'est que, et ça j'aime beaucoup, que... Il dit, quand bien même un ange descendrait du ciel, que ce soit un prophète qui vient de là-haut, c'est pour ça qu'il faut bien prêter attention pourquoi la Bible est notre absolu. Amen. Il n'y a aucun autre livre sur cette terre qui peut être un absolu pour le croyant. Le croyant, vous vous souvenez, non? Oui. Il y a le vrai croyant et le soi-disant croyant. Le soi-disant, il peut ramasser des tours de n'importe quoi. Mais le croyant, lui, il sait où il se tient. Il a donc son absolu. Alors, nous devons tous savoir qu'il n'y a aucun autre livre sur la terre qui peut être un absolu pour un croyant, un fils de Dieu, si ce n'est la Bible. Amen. La Bible et la parole de Dieu est l'absolu. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que chaque homme qui entre en ligne de compte, qui dit que Dieu m'a envoyé, il faut qu'il passe le test. Il va passer les tests de quoi? De sa prédication? Non, monsieur, il doit passer les tests effectivement de la parole de Dieu pour que nous puissions voir si, effectivement, c'est pour ça que vous remarquez effectivement que dans l'âge de Phèse,
Le Seigneur a loué ce peuple, effectivement, avec beaucoup de louanges. Il dit, mais je connais ton travail, je connais ton œuvre. Vous savez d'accord? Nous allons lire effectivement rapidement. Et nous revenons dans Hébreux chapitre 6. Apocalypse, au chapitre 2, je crois. Alors il dit, verset 2. Apocalypse 2, verset 2. Il dit, je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Comment est-ce qu'ils ont-ils pu les trouver menteurs, ces hommes-là qui disaient apôtres? Parce qu'un apôtre, c'est un homme qui est envoyé de Dieu. Amen. Alors comment ont-ils pu trouver ces gens-là qui étaient des menteurs. Mais en fait, c'est sur base de la parole qu'ils prêchaient, ce qu'ils disaient. Alors, s'il n'y a pas un élément sur lequel on peut comparer la chose, parce que au temps d'Israël, effectivement, le peuple marchait, qu'il y avait un songe ou ceci, un prophète prophétisé, il y avait le pectoral d'Aaron. Alors, effectivement, ben, le peuple disait, il n'y a pas de problème, mais Aaron avait son pectoral, tiens-toi là. Maintenant, dis ce que tu as pour dire. Amen. Et on va voir effectivement maintenant ce qui va. Non, on ne va rien dire. Amen. Mais toi, dis, puisque tu dis que l'Éternel t'a envoyé, eh bien, dis. Quand tu dis, lorsque le pectoral lui va réussir, alors on sait que c'est la parole de Dieu. Donc, il avait bien un élément sur lequel le peuple se reposait. Tu viens, tu dis, nous regardons le pectoral. S'il dit oui, amen. Donc, aujourd'hui, nous avons l'absolu. Amen. Qui est la Bible, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc qu'un prédicateur vienne, qu'un prophète vienne, tout ce qu'il pourra dire, nous dirons gloire à Dieu, mais nous ramènerons où? Alléluia. Parce que nous voulons voir si cela est conforme à ce que Paul a prêché. Amen. Amen. Parce que cet homme, Dieu lui a donné la grâce de voir mettre par écrit dans les saintes écritures. Donc, et là nous avons ça, l'écriture dans la Bible. En fait, c'est quand nous voyons jusqu'au chapitre 22, on ne peut plus rien ajouter ni rétrancher. Parce que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'Apocalypse clôture autrement. Ça veut dire que tout celui qui doit venir par après, s'il prêche, on doit voir si ce qu'il dit concorde à ce que Dieu a déjà dit dans sa parole ici. Voilà pourquoi il disait effectivement que mais vous les avez donc éprouvés. Parce que vous aviez un élément sur lequel votre foi s'éclate. Et voyez-vous, les disciples de Béret qui avaient des sentiments nobles, même quand Paul était venu vers eux. Amen. Ah oui, c'est pas question de sentiments, mais c'est vrai. Même quand Paul était venu vers eux, Paul prêchait, ils avaient de bons sentiments, des sentiments nobles. Amen. Mais ils vérifiaient dans les saintes écritures. Amen. Pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à ce que la parole de Dieu a mis à pouvoir déclarer. Et voilà que lorsqu'ils ont entendu et qu'ils ont aussi vu que cela ponctuait des domaines avec les saintes écritures, ils ont réalisé que Dieu était là. Et c'est comme ça que leur cœur était réellement ramené à ça. Donc, nous devons réaliser que nous, en tant que croyants, vous irez, vous verrez que les catholiques ont leur missels, vous irez chez les baptistes, je ne sais pas moi de cela, chacun a quelque chose sur quoi il se réfère, mais quand il en vient aux croyants, aux fils de Dieu, ils ont un absolu, c'est la parole de Dieu qui est la Bible. Mon frère et ma soeur, je vais aller pour lui. Mon frère et ma soeur, peut-être que ça peut troubler les uns comme les autres, n'oubliez jamais ceci. Et Dieu, notre Seigneur, jugera les hommes. Amen. Amen. Toi, tu passeras au jugement. Amen. Et quand tu dois passer au jugement, voyez-vous, comme sur la terre, les justes qui sont assis pour voir te juger, ils ont quand même un document. C'est quoi? Mais c'est la Constitution, la loi, effectivement, la Belgique, n'est-ce pas? Donc c'est sur base de cette loi-là qu'ils vont te juger. Mais Dieu aussi va juger parce qu'il y aura un jugement un jour. Mais avec quel instrument Dieu va-t-il te juger? Missel? Non. Brochure? Non. Non. C'est
Donc ça, nous devons comprendre. Amen. Quel est l'instrument que Dieu va utiliser pour juger les gens? Et pour même te regarder et dire, mais celui-là, celui-ci est justifié, il ne peut même pas passer par le jugement. Voici le seul instrument. Amen. 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 C'est cette parole ici que Dieu jugera le monde. C'est pourquoi elle doit être notre absolu. Elle doit être l'élément sur lequel nous nous approchons de tout notre cœur quand la parole de Dieu dit oui. Parce que la Bible dit, et j'aime cela, mais la lèvre es-tu, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc nous avons, et comme je l'avais dit aussi une fois, ce que nous tenons dans nos mains ici, frères et sœurs, c'est vraiment Dieu lui-même sous la forme écrite. Alléluia. La Bible, c'est Dieu sous la forme écrite. C'est cela, quand on peut voir cela, on sait que ça, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la parole a été faite chair, et nous l'avons vue, nous l'avons contemplée. La gloire comme la gloire, le fut-il. Donc, l'apôtre Paul a eu bien voir dire, effectivement, il dit que je posais les fondements comme un sage architecte. Aucun autre fondement ne peut être posé, à savoir le seul qui a été posé. Il a dit, hein, je posais. Quel était le fondement qu'il a posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Nous devons réaliser que ces hommes que Dieu a utilisés, qu'il a donné effectivement de ce que ce qu'ils ont eu à pouvoir apporter, soit gravé dans ces livres, ils avaient une responsabilité, et cette responsabilité avait aussi une portée, parce que, étant ceux qui ont fait l'histoire avec Dieu, ils étaient devenus aussi une partie de la parole aussi. C'est pour ça, nous, quand nous lisons même la vie de Paul, elle inspire. Amen. Bien sûr. Et c'est comme cela que, quand on regarde effectivement, comme ces gens, ses frères et sœurs pouvaient regarder, disaient, mais oui, mais vous dites, mais nous voulons voir effectivement ce qu'il est, parce que beaucoup peuvent parler, mais en fait, la vie en soi, elle pose beaucoup de problèmes. Dans le livre des Hébreux, nous relisons. Alors, l'Écriture nous dit une chose, si, car il est, verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'inimité. Vous vous souvenez que hier, avant-hier, je pense, nous avons eu à pouvoir lire dans les Saintes Écritures en parlant de Saül et aussi de Samuel et la parole que le Seigneur avait donc donnée à Samuel pour donner à Saül, effectivement, pour aller et accomplir ce que Dieu attendait de lui. Je crois que tout un chacun de nous, nous avons pu réaliser quelque chose et ça. Moi, je peux dire que le Seigneur, moi, et après avoir et sincèrement écouté et retourné, mon cœur aussi était secoué au-dedans. Moi, pour ma part. Parce que comme je vous ai dit, vous ne réalisez souvent pas ce qui se passe ici. Et moi, je remercie les seigneurs d'autres dieux. Vous savez, si ton cœur est resté insensible à cela, c'est qu'il y a un sérieux problème. Un sérieux problème avec toi, dans ta marche avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien te considérer. J'ai eu l'appel de mon frère Jean Bosco, qui me parlait, il dit, aïe, et je l'écoutais, il dit, oui. Et vraiment, ce que j'ai entendu, et ça va vraiment secouer dans mon intérieur en ce qui concerne une chose, maintenant, je dois me poser la question pour pouvoir savoir, mon Dieu, est-ce que je fais la chose comme ça? Je n'ai rien dit. J'ai dit, moi-même, je dis, mon frère, si ça, tu savais. Et le cœur, vous ne vous rendez pas compte, mon frère. Vous ne vous rendez pas compte, ma soeur, quand votre cœur est tellement
rempli d'orgueil, Dieu ne peut rien faire. Amen. Mais quand la parole de Dieu vous touche, ah, c'est vrai, nous avions eu notre sœur Dorine là, que Dieu la bénisse. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est qu'elle n'a pas pensé à regarder ce que les gens vont dire. Amen. Et le cœur, la parole de Dieu est entrée dans l'âme, a touché l'âme, et c'était. Plusieurs vous disent, mais pourquoi elle doit se tenir là, effectivement? Eh bien, elle dit que j'ai été convaincu, senti que je dois mettre les choses en ordre. Amen. Ça devait être quelque chose qui devait se passer dans chacun. Amen. Et nous pousser à pouvoir un peu nous agenouiller quelque part, même chez nous, et en pleurant même d'ailleurs, en suppliant, en disant, Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi, est-ce que dans les temps, je commence à chercher à fouiller. Amen. Si vous êtes insensible, il y a un sérieux. Amen. Mais quand elle pénètre dans votre cœur et que vous mettez à genoux, vous commencez à pouvoir implorer la grâce, et dire, Seigneur, parce que si un homme peut avoir cette grâce dans le temps et agir comme cela, alors mon Dieu, en ce qui concerne nous, qu'est-ce que nous en sommes, nous voudrions vraiment avoir la grâce de pouvoir vraiment entendre et aussi nous mettre aussi en au travail. Alors, nous réalisons que effectivement, que là, ce que nous venons de lire, dit quand je l'avais dit avec Saül, effectivement, comment il a eu à pouvoir réagir et surtout. Là, nous pouvions voir effectivement que malgré qu'il n'a pas fait ce que Dieu avait demandé de pouvoir faire. Si, pour ceux qui n'étaient pas là, vous lirez chez vous à la maison, et Samuel, ça va être 15. Et malgré qu'il n'avait pas fait cela, et que Dieu lui dit, il dit à Samuel, il dit, mais mon cœur est vraiment brisé au-dedans de moi-même parce qu'il ne fait point ce que moi je dis de faire, il n'écoute pas. Alors Samuel, toute la nuit, il a pleuré, il s'est levé, et puis il est parti pour aller chercher ou voir effectivement Saül, eh ben, il était pris par quelque chose, effectivement, il monte là, ici, il fait l'hôtel, il monte là, effectivement, donc c'était la flamme chez lui. Et alors voilà qu'il retrouve, il dit, bon voilà. Et quand il voit Samuel qui vient, il dit, oh, sois béni de l'Éternel. J'ai observé tout ce que Dieu m'a dit de pouvoir faire, et j'ai fait cela, j'ai observé cela. Vous vous souvenez encore? Amen. Et alors, il entend le prophète Samuel qui dit, mais alors si tu as vraiment observé la parole de l'Éternel, c'était clair, vous vous souvenez encore? Oui. Alors d'où vient donc que j'entends ces bêlements-là, et ces mugissements, effectivement, de peu que j'entends, mais d'où viennent ces choses-là? Alors là, c'est la tristesse de cœur. Au lieu que l'homme se répande, je reconnais qu'effectivement, que oui, c'est vrai, bon Dieu, j'ai vraiment manqué. Pas possible. L'homme se met à justifier. Oh, mais il s'agit de peuple, il s'agit bidon. Nous avons coupé la tête aux choses chétives, effectivement, et ça, et ça, et ça. Nous avons amené pour gloire de Dieu, pour le sacrifier au Seigneur, effectivement, ton Dieu. Il n'y avait pas, même pas, une pensée de repentance. Ah, il est impossible. Vous entendez cela? Amen. Si vous avez eu l'écriture qui est venue ensuite ici, verset 6, dit, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. La repentance, nous l'avons dit autrefois, c'est une grâce que Dieu a encore donnée. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, je disais, je pense que ça avait été dit, il dit, mais en fait, la nature d'un enfant de Dieu, et celle-ci, regardez et écoutez s'il vous plaît. Son cœur est un cœur qui est toujours disposé et sensible. Amen. Il est prompt et prêt à pouvoir tout le temps demander pardon à qui que ce soit. Amen. Parce qu'il y en a de ceux pour entendre un pardon sortir de sa bouche. Il faut presque, je ne sais pas moi, se tourner par terre. Pour... Et ça, ce n'est pas une nature qui est de Dieu. C'est pas une... Non, un fils de Dieu. Parce que regardez bien, dans la bouche du Seigneur, même à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Amen. Donc moi, j'ai bousculé un frère. Je n'ai pas dit, bon, je comprends, je ne comprends pas. Non, si j'ai fait un mal, un tort, je dois être le premier. Amen. Facilement dit, pardonne-moi, frère. Si je suis arrivé, tu m'as attendu sur retard, pardonne-moi, frère. Amen. Bon, tu m'as invité chez toi, je ne suis pas venu, pardonne-moi, frère. C'est quelque chose Amen. Qui doit être naturel Amen. Dans un fils de Dieu. Amen.
Mais pour entendre le pardon de la bouche de quelques-uns, c'est impossible. Là, il y a un problème. Amen. Amen. Savoir reconnaître. Pourquoi on parle de la repentance? La reconnaissance du mal. Amen. Amen. Je reconnais que j'ai fait mal au Seigneur. Aie pitié de moi. Vous vous souvenez, je pense que c'était ceux que les publicains ont celui qui était là pour, parce que l'autre était, il venait là, dit moi je jeûne, je ne sais pas, vous vous souvenez. Je jeûne, c'est du jour où je donne à Dieu. Lui il vient. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Non, Seigneur, il tapait sa poitrine. Donc il suppliait Dieu. C'est lui qui était justifié. Amen. Cet état d'esprit montre la nature, effectivement, que vous êtes. Amen. Savoir, pour ça, quand la parole touche ton cœur, et que tu tombes à genoux, et que tu pleures sincèrement, parce que les larmes, il ne faut pas des larmes de crocodile, mais des vraies larmes. La repentance qui sort, effectivement, parce que, vous savez, quand quelqu'un est vraiment touché, et qu'il se répand, vous voyez même sa nature. Même son cœur, parce que même quand il vous demande pardon, vous sentez que la personne est vraiment profondément touchée en soi-même. Et vous sentez que quand, c'est comme, mais Dieu voit, effectivement, que la repentance dans laquelle on lui demande pardon est vraiment sincère. Donc on sent que la personne est vraiment, ça c'est une nature en fait que Dieu place dans les croyants. Le vrai croyant. Parce qu'en fait, il n'est plus maître, effectivement, de oui, si je fais comme ça, on va dire que je suis faible. Parce qu'il y a des gens qui disent si tu demandes pardon, et on va voir que tu es faible. Moi, je préfère demander pardon. Pour croire que je suis faible, c'est pas mon problème. Amen. Moi, mon problème, c'est avec Dieu. Il est toujours là à demander pardon. J'en dis point, il n'y a pas de problème. Amen. Je préfère demander pardon que je sois en bon terme avec Dieu. Amen. Amen. Si. Le monde vous dit le contraire. Moi, je ne travaille pas sur le monde. Amen. Moi, je marche sur la parole de Dieu. Amen. Donc, nous remarquons qu'effectivement, que il a tellement endurci son cœur. Malgré que Dieu lui donnait la possibilité de pouvoir voir effectivement que, voilà, hein, je te montre la voie, parce que s'il s'est reporté, alors les choses seraient tout à fait différentes. Et voilà que continue effectivement cela. Et Dieu a donné cette sentence effectivement en cela, en disant, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, et même la grâce que Dieu vient de te donner, alors Dieu te rejette aussi. Et si nous continuons à dire, verset 7, lorsque, c'est là que je voulais vous prêter attention, lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, voyons le tableau, frère. La terre, elle est là. J'aime Dieu. Amen. Il est bon. Amen. Au commencement, la Bible dit, Dieu créa. Qu'est-ce qu'il créa? Les cieux et la terre. N'est-ce pas vrai? Ah, j'aime ça. Amen. Quand il a créé, effectivement, il savait pourquoi il créait. Ici, nous l'avons entendu, regardez bien. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Lui qui tombe sur elle. Avez-vous remarqué une chose? Dans le livre de la Genèse, quand il est écrit que Dieu a créé les cieux et la terre, on va lire avec vous, hein. Genèse, le chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et que l'on dit la terre était informe et vide, ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors maintenant, nous voyons dans la succession effectivement des événements que le Seigneur a commencé à pouvoir parler. Puis arrivé à un certain moment, en rapport avec la terre, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous souvenez de la parole qu'il a dit? Pour le lire avec vous, je pense que c'est cela. Hein. Genèse au chapitre 1. Je vais lire. Je pense que c'est ici. Voilà. C'est chapitre 1, verset 24. Genèse 1, verset 24. Je sais pas. Il dit, Dieu dit, vous suivez? Amen. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, cela fait ainsi.
Dieu fit donc les animaux de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, n'est-ce pas? Alors maintenant, si nous prenons au verset 11, il dit ceci, avant qu'on arrive donc au verset 24, il dit, oui, Dieu dit, d'abord il dit, Dieu appela la terre sèche, verset 10, et il appela la main des eaux mer, Dieu vit que cela était bon, n'est-ce pas? Verset 11, il dit, oui, Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, cela fut ainsi. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y a un soir, il y a un matin, ce fut donc le troisième jour. Amen. Amen. Alors vous remarquez très bien que quand il parle effectivement en rapport avec la terre, il dit que la terre produise des semences selon leur espèce. N'est-ce pas? Et après avoir dit cela, bien, on a pu voir que cela était ainsi. Nous allons vous remarquer une chose, que quand la terre était donc créée et que Dieu a prononcé cette parole-là, déjà dans la terre, il y avait déjà ces semences-là. Parce que Dieu n'avait pas créé la terre sans rien. Donc quand il a créé, effectivement, déjà dans tout ce qui constituait la terre, il y avait déjà disposition pour ses semences à l'intérieur. C'est pourquoi il dit, mais que la terre produise. Et quand il a parlé, effectivement, la chose est venue aussi à l'existence. Et là, dans Hébreux au chapitre 6, on nous dit que la pluie, elle tombe effectivement souvent sur la terre. Si la pluie tombe sur la terre, c'est pas pour simplement que l'eau puisse couler. Bon, si vous ne vous souvenez pas, Hébreux à Ésaïe chapitre 55. Hébreux chapitre 55, je pense que c'est cela. Hébreux chapitre 55, Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, il dit. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix d'Éternel. Autant les cieux sont les eaux au-dessus de la terre, autant mes voix sont les eaux au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie, n'est-ce pas vrai? Amen. Et la neige descend des cieux et n'y retourne pas. Vous entendez, s'il vous plaît? Parce qu'elle ne descend pas pour rien. Et ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc la pluie, s'il vous plaît, votre attention pour l'amour de Dieu. Je relis encore Hébreux chapitre 6, verset 7, il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle. Donc, comprenons que la pluie ne tombe pas pour rien. Lorsqu'elle tombe, effectivement, elle arrose effectivement la terre pour que la semence qui est dans la terre puisse germer, n'est-ce pas vrai? Alors, il continue en nous disant, produit, donc lorsque cette pluie donc tombe effectivement sur la terre, parce que sur la terre, évidemment, en dessous, il y a donc semence, et que maintenant, produit, quand on parle de produit, c'est la terre qui produit, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Et que, puisque l'eau descend, votre attention, pour le bienfait de la terre, doit arroser effectivement et puis permettre à ce que la semence
puisse sortir, n'est-ce pas? Alors maintenant, il dit, mais lorsque cette terre est abreuvée par la pluie qui souvent tombe sur elle, et que maintenant elle produit, cette terre produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Regardez une chose. Je voudrais que vous prêtiez bien attention ici. Je vais relire l'écriture, le verset 1, et que je vous demande de prêter attention. Regardez bien comment l'écriture dit. Il dit, mais si elle produit une herbe utile, écoutez bien, cette herbe est utile. Alors, parce que, s'il vous plaît, frère et sœur, ici, voyons les tableaux. C'est la terre, puis voici les cultivateurs. Vous suivez? Donc, celui qui a son champ. Alors, maintenant, les cultivateurs, ils sèment l'herbe, donc la semence, dans son champ. N'est-ce pas vrai? Et puis, quand la semence est sémée, la pluie doit tomber. Pourquoi? Parce que la semence doit pourrir. Et puis maintenant, une fois qu'il a germé, effectivement, parce que c'est quand même le cultivateur, lui, qui l'a planté. Suivez, s'il vous plaît. Le cultivateur, lui, il a planté. Donc, nous attendons que le cultivateur, lui, écoutez très bien, comme il a planté, il a mis son blé, c'est pour lui. Vous suivez? Il a mis son blé, c'est pour lui. Donc, si le blé sort, eh bien, c'est pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est son blé à lui. Mais maintenant, regardez ici ce qui est extraordinaire dans le verset. Je veux que vous prêtiez attention. Ici, nous voyons qu'il dit que si elle produit une herbe utile à qui? À ceux pour qui elle est cultivée. Est-ce que vous avez entendu? Donc cette herbe est utile pour ceux pour lesquels on a cultivé cette herbe-là. Donc le cultivateur, il a planté, mis la semence, parce qu'elle devait, cette semence, enfin, l'herbe de Dieu, être utile, pas à lui, mais à ceux pour lesquels, lisez l'écriture, à ceux pour qui, effectivement, cette herbe-là a été donc aussi plantée. Je relis encore l'écriture. Il dit, une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Donc, elle est cultivée pour les autres, en fait. Elle est cultivée pour quelqu'un, en fait, effectivement, qui doit en bénéficier. Est-ce que vous suivez? Amen. Je sais que ce n'est pas facile, mais je veux que vous puissiez saisir cela. La semence a été mise là-dedans. Il a été cultivé, et c'est vrai, l'image, ok, le cultivateur, lui, il attend donc la semence puisse sortir, c'est pour lui, et il prend effectivement ce qu'elle est sortie, il va avec. Et là, on nous dit qu'effectivement, que ça a été donc cultivé, mais en fait, pour ceux pour lesquels ça a été mis. Donc, utile, pas pour le cultivateur, mais pour ceux-là auxquels cela a été donc destiné. Oui, regardez une chose. Et doit être utile pour ceux pour qui il est cultivé. Et puis, quand il dit, elle participe à la bénédiction des dieux. Si, j'aime Dieu, si elle est utile pour ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction des dieux. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, je vous demande votre attention ce matin, frères et sœurs. Prenons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. Regarde.
2 Timothée chapitre 2. Lisons à partir du verset. Je vais peut-être lire peut-être à partir du verset. Je vais lire un peu. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans la piété, et leur parole rongera comme la gangrène. Et ce nombre sont hyménées et filettes, qui se sont déjà détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, prêtez attention au verset 20. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de vases de bois et d'étain. Les uns sont de vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Vous suivez ? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, prêtez attention, sanctifié, n'est-ce pas, utile à son maître, vous avez entendu? Amen. Utile à son maître, pourquoi? Propre à toute bonne œuvre. Amen. Regardez bien. L'herbe, effectivement, qui sort est utile, et doit être utile pour ceux qui est cultivé. N'est-ce pas vrai? Le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, il dit une chose. Matthieu, au chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Alors il dit, je vais lire à partir du verset 11, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous cela à l'église, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bon. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous suivez? Amen. Je continue. Prêtez attention. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Vous suivez? Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. La lumière et les lumières, elles servent à quoi? C'est une lumière, n'est-ce pas? Mais si elle est simplement lumière et éclair où il n'y a personne, à quoi ça sert? La lumière est utile non seulement pour la lumière en soi, mais en fait, elle est utile pour ceux qui sont autour. Amen. Alléluia. Si elle est plus utile, quand c'est dans le poule ici, s'il vous plaît, que vous voyez ici, pourquoi nous l'avons allumée? Pour la beauté des bâtiments? Non, messieurs. Sa lumière ici nous sert à nous ici. Pouvoir effectivement nous réjouir en chantant, en lisant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on dit, ah, mais merveilleux, la lumière, elle est merveilleuse parce qu'elle nous donne la possibilité de voir et de lire. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Dis-moi, qu'est-ce que le sel fait de bien en soi-même? Le sel est toujours sel. Mm-hmm. Alors, qui est-ce qui apprécie le sel? Ce n'est pas le sel qui s'apprécie soi-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le sel ne peut pas s'apprécier. Moi, sel, je suis bon. Moi, sel, je suis très bien goûtant. Non, le sel ne peut pas s'apprécier lui-même. Amen. Ce sont les autres quand ils goûtent le sel. Amen. Amen.
On dit merci pour le sel. Amen. Parce que le sel donne du goût à la nourriture. Amen. Le sel nous réjouit effectivement. Amen. Regardez, qui dit, mais vous êtes la lumière du monde. Alors il dit que votre lumière luise devant les hommes. Donc ta lumière à toi doit luire, pas seulement dans ta maison à toi, où tu prends, tu dis bon, je suis la lumière, et bien je le mets sous le boisseau. Vous avez entendu? Donc elle reste là pour moi, effectivement, et c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est comme que Dieu nous accorde la grâce. Mais d'abord, écoutez bien, il dit, la lumière, on ne la met pas sous le boisseau, mais on la met au-dessus pour que les hommes soient éclairés. Et puis il dit, mais que votre lumière à vous, votre lumière à vous, luise devant les hommes, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres, effectivement, et qu'ils glorifient. Matthieu, chapitre 5, je crois, c'est ça. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans le ciel. Si la terre produit une herbe qui est utile pour ceux pour qui elle est cultivée, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, chapitre 15 de Jean, voici, je vous ai donc choisi et je vous ai établi afin que Jean 15, Jean chapitre 15, voilà, Jean chapitre 15, verset 15, dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Écoutez bien, je vous ai établi. Vous suivez? Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc il dit, moi, je vous ai choisi, je vous ai établi. Mais pourquoi? Pourquoi je vous ai établi? Pourquoi je vous ai choisi? Mais c'est enfin que vous alliez, vous partiez, mais que vous portiez du fruit. Il faut que vous portiez du fruit. Pourquoi? Parce que quand on plante un arbre dans un champ, effectivement, quand l'arbre pousse, l'homme veut arriver à pouvoir obtenir quelque chose de cet arbre-là. Parce que l'homme veut se réjouir effectivement du bienfait que produit l'arbre qui a été planté. Votre attention, s'il vous plaît. Il dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mais avez-vous remarqué la suite, mon frère? Regardez bien. Il dit, et que votre fruit demeure. Vous avez remarqué, c'est pourquoi j'ai dit ce matin, je veux que vous prêtiez attention. Vous avez remarqué qu'il a dit que vous êtes le sel de la terre. N'est-ce pas vrai? Amen. Et puis il dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le problème avec l'homme qui s'est dit croyant est celui-ci. Quand tu deviens un croyant, nous l'avons entendu l'autre fois, il faut d'abord savoir pourquoi tu as cru au Seigneur. Amen. Pourquoi tu l'as accepté comme ton sauveur personnel. Et puis savoir aussi qu'est-ce qu'il est pour toi. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que mon frère, ma soeur, vous pouvez être assis pensant que vous l'avez vraiment cru, que vous l'avez reçu, effectivement, être vide, parce que n'oubliez pas, nous l'avons entendu l'autre fois, effectivement, que
Tu crois qu'il y a un seul Dieu, le démon le croit aussi. Mais oui, monsieur, oui, madame, il croit aussi qu'il y a un seul Dieu. Ce qu'il y a avec eux, c'est qu'eux, ils tremblent, n'est-ce pas? Là, effectivement, nous devons poser, mais qu'est-ce qui est-il, effectivement? En qui est-ce que j'ai cru, effectivement? Est-ce que je sais, effectivement, celui que j'ai reçu en moi? Maintenant, quand je l'ai reçu en moi, pourquoi je l'ai reçu? Qu'est-ce que lui attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant qu'un croyant? Je vais vous amener à la Sainte Écriture. Votre attention. Quand Dieu, notre Seigneur, a appelé Abraham, il a dit, quitte ton père, ta mère et ta patrie. Parce que moi, l'Éternel, je vais te montrer le pays où tu dois aller. Était-ce pour le business d'Abraham? Était-ce simplement pour le bienfait d'Abraham? Non, monsieur, je n'ai pas prêté attention. Dieu a dit à Abraham, effectivement, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Alléluia. Donc, Dieu faisait sortir Abraham, parce qu'Abraham, au travers de lui, quelque chose devait se passer. Donc, quand toi, tu deviens un croyant, tu deviens un fils de Dieu, comme tu le dis, effectivement, je suis en lui, je suis devenu un fils de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé votre fils simplement pour que tu puisses chanter. Non, monsieur. Pour dire effectivement que Dieu est bon. Pourquoi? Parce que Dieu a fait ceci pour moi, il a fait ceci pour moi. C'est bien. L'herbe doit être utile pour ceux auxquels Dieu l'a planté. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, la question que tu dois te poser est celle-ci. Depuis que moi je suis devenu chrétien, croyant, suis-je vraiment en bénédiction pour quelqu'un? Non seulement pour quelqu'un, mais suis-je vraiment en bénédiction pour les hommes? Parce que l'Écriture dit que votre lumière luise devant les hommes. Pas qu'il a dit que votre lumière luise devant les frères et sœurs. Votre attention, s'il vous plaît. Je suis un fils de Dieu, je vais aller au ciel. Tu vas aller au ciel dans l'assemblée. Je fais ceci dans l'assemblée. C'est bien. Mais on nous a parlé de la terre, n'est-ce pas? On l'a planté, on l'a arrosé, on a arrosé la terre, pour que sur la terre, s'il vous plaît, qui sorte une herbe, effectivement, qui est utile pour ceux pour qui elle a été plantée. Pourquoi es-tu devenu un croyant? Pourquoi es-tu devenu un fils de Dieu? Oh, frère, moi, je suis devenu un fils de Dieu parce que je reçus le Seigneur, j'ai cru en lui pour être sauvé. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bien. Et là, j'ai aussi reçu la vie éternelle. Mais dans le livre de Matthieu, effectivement, nous remarquons que ceux-là auxquels le Seigneur a eu à pouvoir dire, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession. Vous connaissez encore? Qui se souvient? Si vous ne vous souvenez pas, levez la main, je vais dire. Qui se souvient encore de ça? Merci que Dieu te bénisse. Matthieu, chapitre 24. Prenez vos Bibles quand je dis, s'il vous plaît. Prenez-vous. Je vais poser la question. Alors, Matthieu. Matthieu 25. Oui, c'est bien. Matthieu 25, verset 31. Je sais que vous connaissez l'Écriture. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec toutes les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui et séparera les uns avec les autres comme les bergers séparent les brebis avec les autres. Et il mettra les brebis à sa droite et les bois à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur,
Quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, et avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli, ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous ainsi? Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, ils étaient là, effectivement, le Seigneur a dit, mais venez vous qui êtes bénis. Prenez possession, entrez dans la vie éternelle, effectivement. Parce que quand j'étais malade, vous êtes venus me consoler. Quand j'avais faim, vous êtes venus m'apporter à manger. Quand j'étais dans cette situation, vous étiez là. Et puis, je dis, Seigneur, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, effectivement, être dans cette situation et sont venus? Est-ce que vous suivez? Amen. Il leur dit, à chaque fois que vous l'avez fait pour l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Amen. Pourquoi je suis devenu un croyant? Pour ma propre famille, pour seulement le mien. C'est là que vous ne voyez pas comment l'égoïsme est dissimulé dans ce que vous pensez être spirituel. Parce que tout ce que vous faites, la croyance tourne toujours autour de ce qui est à vous. Votre propre famille, votre propre maison. Je suis un fils de Dieu. Gloire à Dieu, quand je viens, merci Seigneur, je viens à l'Assemblée, je prie. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur. Donc tout tourne toujours autour de ce qui est à toi. Mais juste à côté de toi, se trouve quelqu'un. C'est quelqu'un-là. Ton fils ou ta fille ne vaut pas plus que celui-là. Donc, ton fils à toi vaut plus. Et la préoccupation que tu dois avoir, c'est parce que le tien sont beaucoup plus importants par rapport à celui qui est assis à côté de toi. Il n'a pas aussi d'importance que ceux qui sont de ta maison. Et là, tu es chrétien. Là, tu es un fils de Dieu. Là, tu as la vie éternelle. Mais là, il nous dit que ceux qui avaient la vie éternelle, ils disent, mais Seigneur, quand est-ce que nous l'avons? La lumière que vous avez ici, quand elle vous éclaire, est-ce qu'elle pense simplement que je dois le faire ou bien quand elle allume naturellement, elle donne sa lumière? Pourquoi? Parce qu'elle a des choses qui sont constituées dedans pour éclairer. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Au moyen de la foi. Non par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Parce que dans Ephésiens au chapitre 2, il dit, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez? Et a été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres, on ne les pratique pas pour nous-mêmes, monsieur. Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour pratiquer les bonnes œuvres pour nous-mêmes. Non, monsieur. Il nous a appelés pour pratiquer les bonnes œuvres pour les autres. Amen. Et ceux qui sont à l'extérieur, quand ils peuvent te voir, vous savez, frère, les gens qui sont dans le monde, ils sont hypocrites. Vous vivez avec lui ici, vous marchez avec lui, il te sourit, mais dans son cœur, il est double. Les gens sont fatigués des hypocrites dans leur famille. D'hypocrites au niveau du travail, ils ont besoin d'avoir des gens qui sont vrais. Donc si toi tu es devenu un chrétien, c'est parce que Dieu veut que ces hommes qui meurent vivent par toi. Amen. Amen.
Amen. Quand tu arrives au travail, ne te mêle pas avec les hypocrites. Mets-toi au travail dans ce que toi tu es. Un vrai, quelqu'un qui donne la joie aux gens. Quand il te voit, il dit alléluia, c'est bien qu'il soit là. Alléluia. Il faut être utile, monsieur. Pas pour toi-même, mais pour les autres. Amen. C'est pourquoi Dieu nous travaille, nos frères. C'est pourquoi Dieu nous prépare. C'est pas pour qu'on s'agit dans nos foyers seulement. Non, messieurs, il faut qu'à l'extérieur, tu continues à être un fils de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes trop égoïstes. N'avançons pas, mais c'est vrai. Parce que nous pensons simplement en nous. Frère, il faut que tu viennes, il faut que toi ici. C'est toujours toi, toujours toi, toujours toi. Mais est-ce que tu peux penser aussi aux autres? Vraiment, amen. Parce que si Dieu a fait de toi ce que tu es, parce qu'il est venu sur cette terre, si Dieu pouvait penser à lui, frères et sœurs, souvenez-vous du psaume. Oui, tu parles. Il dit, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple les cieux, ouvrage des mains, j'ai dit, oh, ya, 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 ya. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui, mon Dieu? Tu as des anges, l'archange là qui te loue, qui te glorifie, Seigneur. Tu pouvais rester sous ton trône, mais tu as pris la forme d'un homme, humilié devant les hommes à la croix des combattants. Mon frère et ma soeur, pensez-y. Il faut qu'on cesse d'être des égoïstes, des hypocrites, des doubles, messieurs. Parce qu'avec ça, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez même. Écoutez, frère, je vais vous montrer quelque chose encore dans Hébreux. Hébreux chapitre 6. Et il dit. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Dieu ne cherche pas à pouvoir maudire, Dieu cherche à pouvoir venir. Vous, en tant que fils et filles de Dieu, vous avez été appelés à quoi? À la bénédiction. Par la bénédiction, c'est pour ça qu'on dit que vous soyez différents, nous continuons, soyez différents des hommes sur la terre. Quand quelqu'un te maudit, toi, je ne maudis pas. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Quand quelqu'un parle du mal de toi, toi, parle du bien de lui. Amen. Alléluia. Pour quelle raison? Parce que tu es appelé à être cet arbre qui est utile. Utile, pas pour toi-même. Non, utile pour les autres. Si quelqu'un s'abstient de toutes ces choses, vous regardez, vous écoutez, vous suivez, frères et sœurs, vous dites, Seigneur, nous voulons aller au ciel. Mais le ciel n'est pas une imagination, ma sœur. Le ciel est une réalité. Et tous ceux qui vont, ne vont pas comme on rentre dans un taxi. On doit être conscient. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est pour votre salut. Amen. Ne vous dites pas, oui, moi je connais Paul, je connais les prophètes, ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien, ni Paul ne vous sauvera pas, ni les prophètes, aucun homme ne peut vous sauver. S'il y avait eu un homme qui pouvait nous sauver, quand on a posé la question, Amen. Parce que vous vous battez pour les hommes, s'il y a eu un homme, il peut y en avoir des fils, qui est né des femmes. Et puis que c'est lui qui est les femmes qui pouvait réellement te sauver quand on a crié, mais j'aime Dieu, frère. Amen. Il dit, mais qui est dit qu'il puisse sortir des fils, regarder et puis prendre le livre dans la main de. Parce que c'est notre livre de la rédemption. Le livre des rachats par lesquels, effectivement, toi, tu étais là-dedans. Oui, monsieur, oui, madame. On a crié dans les cieux, et ça, c'est dans l'Apocalypse, hein. On a crié là, on a laissé, on a crié partout. Que Dieu nous aide. Amen. On
Tu n'as pas vu un homme. Et puis, on a qui est encore en dessous de la terre. Sous la mer. On a cherché partout, c'est pour ça, frère. Vous qui vous accrochez. Aïe, 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 aïe. Vous savez, c'est une malédiction qui est sur vous. Parce que la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. C'est 100% vrai. Amen. Là, c'est vrai. On a crié, on a cherché partout. On n'a trouvé personne. Parce qu'il fallait qu'il y ait un homme qui sorte là, parce qu'on ne dit pas que, oh, il n'y a pas de lumière. On dit, bon, trouvons-nous cet homme-là. Cet homme qui est venu et qui est né selon la volonté parfaite de Dieu. Et qui a vécu. Et qui a vécu comme Dieu le voulait, parce que, oh, que Dieu soit béni. Qui a été utile aux hommes, c'est vrai. Jésus qui le tenait quand il marchait sur la terre, frère. Il avait la compassion des pécheurs, des malades. Amen. Il n'était pas venu pour lui-même. Amen. Quand il passait, tout le monde le voyait pas. Même les pharisiens, c'était, oh, mais aucun homme ne peut parler comme cet homme. Il avait la vie en lui. Il guérissait les malades. Oui, monsieur. Pas pour faire la comédie aux hommes, non. Par la compassion. Amen. Aujourd'hui, c'est du théâtre qu'on nous fait à la télévision. Ceci et cela. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Lui, il a apporté nos douleurs. Il a apporté nos maladies. Quand tu n'étais pas bien, il s'inquiétait. Amen. Bien sûr, mon frère. Bien sûr, ma soeur. Quel évangile que vous voulez? La vôtre, c'est pour ça que nous l'avons entendu. Samuel avait son évangile à lui. La parole de Dieu sortait et lui interprétait à sa manière. Moi et tu dis, moi je suis sauvé. Mais si tu es sauvé, le fruit doit se voir. Amen. Je suis certain. Si tu l'es, c'est pas que tu te mets les fleurs en toi-même. Moi, d'ailleurs, je suis. Mais tu es en train de voir simplement comme Samuel. On a posé la question. Que cet homme puisse sortir. C'est Apocalypse chapitre 5. Qui est dit de venir. On a cherché partout, dans les cieux, et sur la terre. On n'a pas trouvé. C'est pourquoi, quand la Bible dit, et c'est le Seigneur qui dit, que tout homme, sans exception, prophète, apôtre, et tous, soient reconnus pour menteurs. Que Dieu seul soit reconnu pour maître. Quand Jean a commencé à pleurer, c'est à ce moment-là que l'un des gars lui dit, mais ne pleure pas parce qu'on a vu. Tu as regardé, depuis Moïse, tout ceci, on n'a vu personne. Vous pensez que oh, quand je mourrai, Moïse va m'aider à monter. Moïse va t'aider à monter. Il était un homme. Il avait besoin du salut aussi, monsieur. Il avait ses faiblesses. Qui n'a pas eu ses faiblesses, monsieur? Personne. Et puis il pleurait, c'est vrai, ma soeur. Il pleurait. Et puis il entend la voix qui dit, mais ne pleure pas. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, qui l'a vaincu. Alléluia. Voici l'homme, monsieur. Jésus de Nazareth. Quand il est venu sur la terre, il n'a pas vécu pour lui-même. Non, monsieur, il a vécu pour toi, il a vécu pour moi, il a vécu pour nos frères, pour nos frères et nos anciens, pour chaque homme. Parce que Jean a dit de lui, voici l'agneau de Dieu. Qui monte, monsieur. C'est vrai, ma soeur, gonfle ton cœur d'orgueil et l'enfer t'attend. Mon frère et ma soeur, il faut que nous comprenions une chose. La religion ne peut pas te sauver. Non. Tu es rempli de choses immondes dans ta tête. Amen. Mais il faut que Dieu nettoie. Amen. Amen. Le cœur doit être touché. Amen. Et ramené. Amen. Sur le fondement véritable. Amen. Oui, si elle produit une œuvre et utile pour ceux pour qui elle est cultivée. Et votre lumière luise le monde, c'est pas vrai? Afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Eh oui. Ne vous pas remarquer une chose, frère et soeur? Je veux que vous suiviez. C'est pourquoi j'ai dit, ceci est notre absolu. Amen. Ah, nous remercions le Seigneur pour la Bible. Amen.
Dans sa parole sur laquelle nous nous accrochons, que les hommes nous insultent, que les hommes nous traitent de tous les noms, que vous nous traitez de qui que ce soit, il n'y a pas de problème. Nous nous savons où nous nous tenons, sur le fondement véritable. Tous les prophètes et les saints, les vrais, sont tenus sur ce fondement. Eh oui. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, il avait été édifié sur les fondements l'apôtre, le prophète et les apôtres, n'est-ce pas? Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, est la pierre angulaire. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire, quand vous lisez cela, ne voyez pas que nous avons été édifiés sur les apôtres. Non, ce sont des hommes. Eh bien, sur les fondements. C'est-à-dire que sur les fondements sur lesquels les apôtres et les prophètes étaient. Alors qui est donc ce fondement? Jésus-Christ. Donc Pierre n'est pas un fondement, Paul n'est pas un fondement, mais Jésus-Christ. Alléluia. Il est le fondement de la pierre ordinaire, monsieur. Voilà, surprends-moi. Parce que les hommes passent. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ demeure. Seul Jésus demeure. Alléluia. Amen. Tout passera. Amen. Mais lui, il demeure toujours le même. Et puis il dit en fait que les hommes voient pas ça, vos bonnes œuvres. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont glorifier Dieu? Ils vont glorifier Dieu? Non, glorifiez votre Père. Lisez, frère, c'est pas, moi, je n'ai pas inventé, hein. C'est écrit ça, regardez bien. Regardez bien. Si, Matthieu chapitre 5, regardez bien. Il avec vous. Matthieu chapitre 5, je vous dis. Oui, voilà. Matthieu chapitre 5, voilà. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre. Qui est où? Merci, monsieur. Amen. Quand on dit votre Père, ça veut dire que vous êtes né de Dieu. Amen. Fils et fille de Dieu, pas de soi-disant croyants. Non, monsieur. Le vrai fils de Dieu, la vraie fille de Dieu, parce qu'elle vit ce que son Père est. Amen. Alléluia. Quand il était sur la terre, il a vécu pour les autres. Amen. Et s'il revient à moi, je vais vivre comment, monsieur? Parce que l'objectif de Dieu était effectivement de voir trouver un temple dans lequel il pouvait. Alléluia. C'est vrai. Pourquoi? Pour qu'il soit glorifié et qu'il agisse effectivement pour trouver un temple. C'est vrai. N'est-ce pas que la Bible dit que vous êtes les temples de Dieu? Amen. C'est vrai, non? Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu a voulu tabernacler dans un corps. C'est pourquoi il y a la justification. Quand tu crois vraiment, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont cru. Non, monsieur. Parce que si tu avais cru, madame, tu n'allais pas vivre ta vie comme tu le veux. On dit, mais le Seigneur, lui, me dit ça. Oh non, moi je pense que mon église dit ceci. Madame, il ne s'agit pas de l'église, monsieur. Il s'agit de la vie. Amen. Si tu sors dehors, toi, femme, avec des quatre, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, les choses que vous mettez là, ta femme, les choses qu'elles mettent. Elles mettent effectivement là, qui serrent tous les muscles là, et puis non seulement ils n'ont pas encore très bien serré les muscles, ils te laissent le nombril dehors. Pourquoi ils laissent le nombril dehors? Pour montrer son ventre plat. Oui, parce que sinon si, parce que d'ailleurs, vous savez, pardon. Bon, parce que c'est vrai. C'est un peu de l'aberration aussi. C'est vrai, tu as ton. C'est ton ventre. S'il est plat, c'est qu'il est plat, tu n'as pas mangé. Mais quand tu vas manger. Parce que vous savez comment elles sont. Le ventre, il est un peu. Si elle oublie, en mangeant, il descend. Oh, wow. Donc toute la journée, le muscle du ventre, il est tenu en l'air. N'ayez pas honte, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi vous commencez à tourner les yeux à gauche, à droite? Mais c'est normal, vous retenez vos ventres pour qu'on voit un ventre plat. Mais s'il est plat, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous voulez votre nombril? Je n'ai pas besoin de ton nombril à toi. Il est à toi, gardez-le. Oh, ventre plat, qu'on voit nombril et puis on est comme ça. Mais il n'y a pas de problème.
ce ventre plat-là, quand le bébé descendra dedans, amen. Alors venez avec des gaines et vous serrez les ceintures qu'on ne voit plus parce que... Ah oui, parce que oui, mais c'est vrai. Vraiment. Elle est ça. Et puis, regardez bien, vous mettez ce machin-là, vous tirez l'ombril et puis, gloire à Dieu, gloire, vous laissez là-dedans. Et puis, tu sors à l'extérieur. Quelle est la bénédiction que toi, tu apportes aux hommes à l'extérieur? Oh, nous sommes les chrétiens, nous sommes quoi? Jésus m'a sauvé. Et puis, tu dis, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Oui, mais tu as un caleçon. En fait, je ne sais pas comment vous appelez ce truc-là. Tu es complètement presque nu. Vous connaissez la forme, non? Et tu sors et puis dehors, n'en parlons même pas. Et puis tu dis, Jésus, et puis tu dis, Jésus est sauveur, Jésus est sauveur, Jésus guérit. Mais quand on se regarde. Tu reflètes quoi? Ce sont ces genres de personnes qui sont des gros problèmes dans le lieu de réunion. C'est ça, sœur. Toujours, je ne crois pas ça. Je crois ici. Il y a une femme qui est toujours là. Je ne crois pas, malgré qu'on lui parle même de la parole. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Mais c'est la Bible qui le montre. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Et par contre, moi, je crois. Dieu a envoyé un puissant prophète. Quel prophète, toi, tu crois? Parce que si c'est le prophète de cette vie, et que tu fais ce que tu as le pouvoir faire, tu me dis, mais est-ce qu'il a cru? C'est vrai ou pas? Amen. Bien sûr que nous sommes regardés. Ce matin, je ne sais pas si j'aurai un petit gâteau quand je vais sortir. Quand j'arrive dans mon bureau, parfois je trouve un petit cake. Je ne sais pas si ce matin j'en aurai. Oh là là, frère Léonard, tu as monté le trou. C'est ça le problème. Non, parce que Dieu vous aime. Amen. Frère et soeur, une fille de Dieu, frère, c'est une reine. Amen. Elle n'est pas comme les chiens de l'extérieur, non, monsieur. Amen. Elle se respecte parce que c'est une princesse. Amen. Et puis, elle va être honorée, monsieur, parce qu'elle est, parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne le fait pas pour les hommes de l'extérieur, mais elle le fait parce qu'elle sent que la sainteté se gonfle. Amen. 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 Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Être croyant, pas seulement dire bon, j'ai une église où je vais, c'est tout. Non. Abraham était un croyant. Vous savez comment Dieu a parlé d'Abraham dans les Saintes Écritures quand Paul a pris aussi l'écriture dans Galates au chapitre 3. Regardez même pour que. Oui, j'entends ce que c'est que le croyant. C'est que ça. Galates 3. Galates 3. Galates 3. Bon, maintenant, je veux que vous compreniez ça. Je n'ai pas dit que le Seigneur a dit poussez vos ventres devant pour qu'ils soient gros. Est-ce que vous comprenez? Donc, tenez-vous comme vous devez vous tenir, mais. Que ça ne soit pas comme si c'est quand tu passes devant les gens que tout le monde voit, que je fais voir, pour que mon frère voit, je n'ai pas les ventes. Non, on sait que tout le monde a les ventes. Donc ne nous mettez pas ça sous les yeux, je n'ai pas les ventes. Donc c'est simplement pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas faire comme le monde. Amen. Ah, si. Je n'ai pas dit non plus que pousser pour que ça soit gros. Non, soyez normal. Amen. C'est normal. Vous avez un peu votre plat. C'est bon, pas de problème. Voilà tout le droit. Ça. Alors il dit ici, verset 3, verset 6, il dit, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, vous suivez, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont donc fils d'Abraham. Aussi l'Écriture. Prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, voyez pourquoi Abraham a été choisi. Non seulement pour lui qu'il ait la foi, mais parce que sa foi avait une importance pour les autres.
Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, frères et sœurs, si toi tu es un élu de Dieu, ce n'est pas seulement pour toi, parce qu'un élu a été choisi par Dieu pour un but. Amen. Pour un but, pour que, quand le monde regarde, monsieur, il peut parler de tous ceci, c'est dit des croyants, mais ils font tous pareil avec toi. Mais quand il te regarde, toi, en tant qu'élu, mis à part par Dieu, les gens disent non. Tous ceux-là sont des premiers, mais celui-là, vraiment, il est différent. Amen. Celle-là, il est différent. Pourquoi est-il différent? Parce que la personne qui dit de toi que tu es différent, pourquoi voit-il, pourquoi dit-il que tu es différent? Parce qu'en fait, tu lui apportes quelque chose que lui pensait pouvoir trouver chez les autres, qu'il n'a pas trouvé, mais chez toi il a trouvé. Amen. Amen. C'est 100% vrai, monsieur. Autrement, il ferait quoi? Il te mettrait dans le même paquet que les autres. Ils sont tous comme ça, mais ils font tous ce que nous faisons. Mais celui-là, non. Parce que je voudrais quand même trouver quelqu'un qui soit différent pour me donner la force aussi de faire du bien, de dire que oui, c'est possible d'être aussi quelqu'un de différent. C'est pourquoi Dieu vous a mis à part. Parce que Dieu doit être glorifié aussi pour vous. Nous continuons à écouter d'abord ce que j'ai entendu. Voilà. Galates, chapitre 3. Il dit, voilà. Il dit, verset 8. Il dit, aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. D'avance, s'il vous plaît. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, vous vous souvenez? Je pense qu'il a appelé dans Genèse 12. Vous entendez cela? Vous l'aimez aussi, non? Amen. Oh oui. Genèse chapitre 2, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Le verset suivant dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Abraham était une œuvre utile pour ceux pour lesquels Dieu l'a. Oui, messieurs. Parce que par Abraham, aujourd'hui, mon frère et soeur, quand on doit chercher un modèle de croyant de la foi, on regarde qui? N'ayez pas peur, monsieur, c'est bien Abraham, s'il vous plaît. Abraham, écoutez bien, la Bible continue, je ne suis pas terminé, écoutez bien. Ici, il dit, je lis, donc je ne sais pas. Chapitre 3, verset 8. Aussi l'Écriture prouvant que Dieu justifierait les païens par la foi, à l'avance annoncé, Galates, cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Vous voyez cela? Amen. Ok. Et puis il dit, ainsi, écoutez bien, ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui? Avec Abraham qui? Le croyant, monsieur. Et puis nous continuons, il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Merci. Or la loi procède, ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Amen. Étant devenu malédiction pour nous. Amen. Vous voyez cela? Amen. Donc lui, il est venu, il a pris la malédiction qui était pour toi. Amen. Donc, Dieu, c'est pour ça quand Dieu du ciel regarda, il dit, celui-ci est comme mon fils bien-aimé, en qui je pris plaisir de pouvoir demeurer. Et puis il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mon frère et ma soeur, nous devons savoir effectivement saisir. C'est pour ça que nous sommes tout le temps négligents dans le choix de Dieu. Nous pensons que c'est un rythme qui va aller toujours comme ça, que demain, monsieur, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est là votre demain.
Vous ne savez pas, ma soeur, ni mon frère, que ce que vous allez faire aujourd'hui, en écoutant la parole, percer effectivement votre départ. Sûr et certain, j'aime. Aujourd'hui, au moins je suis croyant. Dieu n'a pas voulu tenir compte de tant d'ignorance dans laquelle tu étais, tu faisais n'importe quoi, mais donnez encore un temps pour que tu comprennes qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs, vous entendez, frère, le jour du vidéo, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, ben, l'esclave était toujours l'esclave, effectivement, mais quand la trompette du jubilé a tourné, donc l'homme entendait, dit, mais quand tu as entendu cela, jubilé, sors. Alléluia. Mais si tu dis, oh, moi, je me plais dans ce que je suis, mon maître, je vais rester avec mon maître, il n'y a pas de problème. On dit, une telle personne, prenez-la. On la met dehors, à la voix, et puis qu'on prenne son oreille, qu'on puisse percer l'oreille. Une fois qu'on a percé son oreille ici, il restera esclave de son maître toute sa vie entière. Si encore la trompette tournera pour le jubilé, il ne pourra jamais plus sortir. Cet homme ou cette personne restera pour son maître tout le temps. C'est la même chose. Satan se joue avec vous. Moi, je connais, moi, j'ai entendu, moi, je les ai donné, pas de problème. Mais Dieu t'a dit que ce que tu as ramassé où tu as été, c'est du démon, monsieur. Maintenant, il te montre la voie de la sortie, la voie de la délivrance. Si tu ne choisis pas ce que Dieu te donne, tu vas partir, monsieur. Oh oui, tu vas aller dans les églises, je ne sais pas, tu vas à des endroits, effectivement. Mais ton oreille à toi, ça va déjà percer. Tu pourras t'asseoir, tu pourras entendre, tu peux même dire Alléluia. Mais en fait, pour toi, c'est terminé. Tu as dépassé la ligne, la phrase. Oh oui, tu pourras te réjouir, même lire les brochures, les voir, les manger, crier. Moi, je crois, ceci, Dieu a fait, il a accompli. Ça ne dit rien à Dieu, ça. Parce que quand la trompette a sonné, tu as durci ton cœur et tes oreilles. Alors là, on a scellé. Tu pourrais t'asseoir, on peut prêcher, Dieu peut descendre là. Tu as toujours, quand le prophète était, mais il est déjà mort. Amen. Il est déjà enseveli. C'est comme quand on a enterré, quand William Branham, le prophète de cet âge, était décédé parti, et là, on a amené son cercueil. Allez l'enterrer. Non, on les bénit. On les bénit. On les bénit. On lui en a douté de sa mère. Pourquoi vous chantez on les bénit? Mais il doit se réveiller. Il doit sortir du cercueil. Je ne me moque pas. Mais en fait, c'est la pensée des hommes. Mais la pensée de Dieu n'était pas comme ça. Pour Dieu, l'homme a terminé son travail. L'homme rentre. Il va se reposer. Amen. Eh bien, il attend d'abord sa récompense. Mais laissez le corps aller dans la poussière. Oh non, oh il va ressusciter parce qu'il va, ressusciter. C'est pas toi qui vas le ressusciter. Si Dieu veut, il va. Dieu n'a pas décidé cela. On a resté longtemps. Frère, il y a des choses abominables que les gens ont fait. C'est parce qu'ils n'étaient pas attentifs à l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous devons être attentifs à la parole. Attentifs, effectivement, à ce que Dieu nous dit par sa parole et par son esprit. Donc, comme nous l'avons dit, effectivement, regardez la seconde partie, effectivement. Il dit, mais si elle produit les chardons, Hébreux 6. On va terminer. Hébreux 6. Donc, si la terre, maintenant, oulala, ce qui sort dedans, produit quoi? Chardon. Rien. Verset 7, je dis. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, pour une herbe utile à ceux pour qui il est cultivé. Ça veut dire que ma soeur, mon frère, quand tu es un croyant, un frère ne peut pas se plaindre de toi. Bon, toujours, la langue de ça, ce qu'il dit, il me blesse, ou le frère, ou la soeur de Dieu, le frère là, elle est toujours comme ça, mais mon cœur est toujours blessé parce que. Non. Tu ne dois pas être comme une pierre d'achoppement pour les gens. Amen. Et puis, toi, en tant que frère ou soeur, tu ne dois pas être double, duplicate. Non, tu es gentil avec moi et puis tu tournes les dos, tu m'écris, tu m'insultes, effectivement. Ta gentillesse est une entrée de couverture, ne sert pas, monsieur. C'est pas possible, ça, tu n'es pas un croyant. Amen. Tu fais les œuvres de ton père. Amen. Non.
un fils de Dieu ne peut pas apporter des troubles dans le lieu où il se trouve. Non. Tu es un fils, tu es là pour que les gens, quand ils te voient venir à l'assemblée, ils sont contents. Amen. Amen. Donc les gens doivent se réjouir. Ah, gloire à Dieu. Mais si on dit, ah, il vient toujours voir les problèmes. Bon, je vais, il va toujours dire, frère, je vais te voir. Sœur, je vais te voir. Demain, je vais encore te voir. Mais ma soeur, mon frère. Oh, parce qu'on doit arranger ceci, on doit arranger ceci. Donc, tout le temps ici, il faut toujours arranger avec toi. Il n'y a pas un temps où on dit, mais frère, on va prier, gloire à Dieu pour son amour. Amen. Amen. Toujours arranger, frère, s'il vous plaît. Mais là, quand tu le vois, mais quand tu vois, ah, Seigneur, mon Dieu, il vient encore pour. Il faut, je vais être. C'est comme ça que je vais être tranquille. Oh, frère, une minute, je vais te voir. On dit, mais pourquoi? Mais pour te parler encore un peu. Mais non, frère, oh, Seigneur, ayez pitié. Amen. C'est là-bas un temps où je dois dire, tu viens dire, gloire à Dieu, Dieu nous a bénis, effectivement, Dieu a fait ceci pour nous. Amen. Et puis, vous, frères et sœurs, Dieu vous a appelé. Vous publiez toujours, j'attends toujours, je ne sais pas moi, oh, Dieu a fait, mais dans votre église, Dieu fait. Amen. Pourquoi vous ne publiez pas comme notre sœur Léa, Dieu l'a guéri. Amen. J'ai pas entendu qu'on a publié aux gens, oh, Dieu a guéri notre sœur, tout reste ici, et puis on a prié, Dieu a guéri ma sœur. Je n'ai pas entendu ça. Amen. Mais si, c'est pas moi, si, c'est les sabotages. Oh, et on a vu un frère là, si, c'est, je n'ai pas moi quel pays. Je me suis dit, non, mais, et puis vous commencez à passer ça à tout le monde. Mais chez vous, se relève toi, ma soeur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle n'était pas là aujourd'hui, elle saute. Avant, elle était là avec. Mais aujourd'hui, elle est là. Gloire à Dieu. Ça, on est fait publier. Parce que psaume 106, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Psaume 106. Vous direz le frère Léonard, il dit psaume 106. Il est bien. Le psaume 106, qu'est-ce qu'il nous dit? Frère, vous avez honte, vous êtes muet là, effectivement. Mais pour faire passer des choses inutiles, effectivement, comment aimer la fiancée, comment ceci et cela, on partage de ça. Oh, l'amour bonbon, l'amour. Ça, vous partagez. Oh, la femme, ceci, comment. Tout ça, vous partagez. Mais quand ça. 106, chapitre psaume, ça explique très bien. Il dit, mais louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Verset 2, il dit. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Amen. Qui publiera toute sa louange? Oui, monsieur. Amen. On est appelé, vous êtes là, vous travaillez, partagez ce que Dieu a fait. Oh, amen. Nous étions là, notre sœur, Dieu a fait des merveilles. Amen. Parlez de ce que Dieu a fait parmi vous. Amen. Témoignez de ce que Dieu a fait pour telle et pour telle. Amen. Il dit, notre Dieu, comme on peut se faire les sœurs de l'Éternel, l'Éternel est où c'est? Amen. Dans les camps. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu es dans les camps, frère, tu fais des merveilles. Amen. Alors, vous publiez. C'est ça quoi Dieu vous a appelé. Quand vous voyez, oh frère, oh soeur, tu n'étais pas là. À dimanche, vous avez dit, à ça vous marque, je vous ai dit, tu n'étais pas là. Ouh, mais nous avons entendu. Mais puis les témoignages, Dieu a fait, notre Dieu fait. Notre soeur était malade et puis voilà que Dieu, après des années, Dieu l'a délivré. Gloire à Dieu. Vous réjouissez la personne. Amen. Si elle était ange, tu n'étais pas venu contre moi. Non, il faut venir. Amen. Amen. Frère, il ne faut pas dire, oh, malade ici, malade là, je ne viens pas. Non, c'est quand tu es malade qu'il faut venir. Amen. Parce que quand tu viens, on prie, Dieu guérit. Amen. Voilà ce que vous êtes. Amen. Nous sommes censés être comme cela, frère. Parler de toujours, oh, moi j'ai des problèmes. Et c'est vrai, frère. Dieu, quand vous vous occupez des choses de Dieu, amen, Dieu s'occupera de votre amen maison, de votre famille, de vos amen enfants. Occupez-vous de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Parce que Dieu vous a appelé pour que par vous les hommes soient sauvés. Par vous que les hommes puissent aussi voir sur la terre, il y a des hommes qui sont Dieu. Ce n'est pas une religion, mais c'est comme au temps où Jésus était sur la terre. Parce que ceux qui ont reçu le message disent, oh, nous ne sommes pas des dénominationnels, nous sommes des différents. Ne vous fâchez pas. Nous sommes des différents, Mais quand les gens vous regardent, c'est la même chose. Les hommes veulent voir des hommes et des femmes qui sont vraiment des croyants, amen, qui vivent comme au temps des apôtres. Amen. 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 C'est sûr et certain. Amen. C'est sûr et certain. Pas ah, qu'ils viennent des églises, là, ils trouvent une photo de Pierre Doffman là-bas, dans ce pays. Ici, William Branham là-bas. Et là, si on rentre là, on dit, oh, gloire à Dieu, nous sommes l'église des messages. Oui, ça, c'est une église de la Amen. Parce que, frère, vous mettez la photo, mais je ne sais pas moi, comment ça s'appelle Thomas, Pierre, je suis Hoffman, le peintre là-bas,
depuis William Branham ici, et pour montrer que nous sommes dans la maison, c'est une abomination. Amen. C'est une abomination. Amen. Et alors, en plus, vous êtes des idolâtres. Amen. Mais comment voulez-vous? Alors, si vous voulez, puisque vous mettez William Branham, mettez aussi Paul. Mettez aussi Pierre, mettez aussi Jean, parce qu'il ne faut pas. Parce que c'est de cet âge, non? Mettons Luther, mettons John Wesley, mettons tout. Alors on est équilibré puisqu'on est dans la parole. Amen. Frère, quand Pierre a voulu faire, il est temps de pour Élie. Il est temps de pour Élie. Il est temps de pour Élie. Qu'est-ce que la voix lui a dit? Oh, monsieur! Voici mon fils d'Élie! Écoutez-le! Il avait ni Élie, il avait ni Moïse! Il avait Jésus le Christ! Alléluia! Ça, c'est la Bible! Amen. C'est ça notre foi. Nous mourons pour lui. Amen. Il est tellement merveilleux. Amen. On l'a goûté qu'il est tellement bon. Amen. Je ne vais pas m'éloigner. Amen. C'est ce qui fait la joie, même Amen. Quand on frappe. Amen. On sait que mon Jésus, je continue à marcher Amen. Avec la deuxième, c'est parce qu'il, vit. Amen. Et que je ne vis plus pour moi-même, Amen. Je vis pour le voir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu désires tant ce Jésus? Parce qu'avant que le monde soit, Amen. Tu étais en lui. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, comment ne pas l'aimer? Amen. C'est pas pensable, monsieur. La Bible sans Jésus, elle est inutile. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y avait pas Jésus, la Bible serait inutile. Amen.